Ah, la fraîcheur de la montagne m'avait manqué. Salut tout le monde, je suis Ina, la Célélinique, et aujourd'hui, on se retrouve dans Hollow Knight avec des sacrés tics et on va avancer un petit peu. C'est passé. Oui. Hop. Il n'y avait pas un insecte ici? Oui. Donc, la dernière fois, j'ai galéré face à, c'était juste ici, je crois, le proche disparu. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever ça. Comment on enlève? Modifier marqueur. Retirer. Voilà. Je l'avais fini en off. Accessoirement, en off, pour préparer le combat, j'avais été ici, tout en haut, récupérer du minerai pâle pour améliorer mon épée. Et je m'étais retrouvé, je crois, c'était juste ici où j'ai acheté plein de charmes. Il reste un emplacement de charmes, justement, à aller acheter là-bas. Mais en attendant, mon équipement. Voilà, c'est plein. Je sais qu'il y en avait qui se plaignaient que j'ai pas de charme. Bah maintenant, j'en ai plein. Donc, j'ai toujours la boussole, les 5 cueilleurs. J'ai capture âme parce que je suis très bien avec. Les épines d'agonie, j'ai peut-être les changer pour le chant des larmes, je ne sais pas. Mais actuellement, j'ai la longue lame qui permet d'avoir un poil plus de portée. Un truc intéressant, j'ai récupéré, ça me donne 2 cœurs en plus, grosso modo. C'est la même chose que force fragile, je crois. Non, cœur fragile, sauf que ça se recharge pas. Et surtout, j'ai récupéré la canalisation rapide qui risque d'être très utile pour les fights. Et après, j'ai rock solide, mais je ne suis pas particulièrement fun. Je me suis habitué au recul et je suis bien avec. Et je crois qu'il y avait la pierre du chaman. Ouais, la pierre du chaman qui permet d'avoir des sorts qui tapent plus fort. Je sais pas si mon blast là c'est un sort ou pas. Esprit vengeur. Aucune idée. Quoi qu'il en soit, nous ce qu'on veut c'est continuer. Je crois que c'est tout là-haut. Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-haut? Ok. C'est bien tout là-haut, parce que j'étais revenu ici pour farmer un petit peu. Ah oui, d'ailleurs, parlant de farm, vous vous souvenez de la boutiquière qui disait au revoir en mode Tio, là là là. J'y suis retourné, parce que j'avais farmé comme un sac. J'y étais retourné, j'y avais déposé 5000. J'étais parti, j'étais revenu et j'ai fait tomber la belle. La belle pancarte, hein, qui tenait office de bâtiment. Parce que oui, elle s'est barrée avec tout l'argent. Ah. J'ai tout bouffé. Presque. Et accessoirement, j'ai aussi payé la dîme du roi à. Ce qui m'a donné, je ne sais absolument plus quoi. Ça devait être un fragment ou quelque chose comme ça. Là. Bref. J'avais des sous, j'ai tout dépensé. C'est par là. Est-ce que je suis paumé? Là. Aïe, ça pique. Allez, du balai. Voilà. Mais enfin, voilà. On s'est martyrisé par des trucs. J'ai survécu aux proches disparus pour me faire martyriser par des mouches. Non mais je vous jure. Bref, sinon la raison de pourquoi je suis ici, parce que j'étais. Ah ah! Oh? Qu'est-ce que c'est? Journal! Voilà, c'est tout.
J'étais revenu dans le coin parce que j'avais envie de farmer. Et juste ici, un petit peu plus loin, devinez qui j'ai croisé. La belle, la petite, la téléphonée, Ornette. Donc, poursuivons notre aventure par là-bas. Vu que c'est par là qu'elle s'est barrée. Ça a l'air d'être de grands squelettes. Ok. Ah, Ornette. Que dirais-tu d'une revanche? Vas-tu chercher une vérité plus profonde? Elle n'en est pas une qu'un faible pourrait supporter. Ah! Mais prouve que tu es capable de l'affronter. Je ne vais pas retenir mes coups. Mon aiguillon est mortel et je ne ressentirai pas une once de tristesse face à la disparition d'un faible. Montre-moi que tu es digne de recevoir le passé de ce royaume et revendiquer la responsabilité de son avenir. Oh, ça m'avait manqué! T'imagines pas à quel point! J'aimerais essayer un truc. Chat! Oh, elle a une contre-attaque! Mais j'aimerais te frapper avec ça, moi. Aïe, bon, j'ai arrêté de faire l'idiote, je vais mourir comme une conne. Merde. Bon ben voilà, je suis morte comme une idiote. C'est pas grave, j'ai fait l'idiote, j'assume pleinement mon échec. J'ai arrêté de faire l'idiote et essayer de connaître les pensées des gens. Hein. Après tout, c'est des pensées, c'est censé rester secret. Qui suis-je pour me mêler de ça? Bah. Là. Mais qui a foutu des toits, franchement? Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, il fait tellement. Ouais, je savais pas qu'il utilisait mes compétences aussi. Reviens. Descends. Descends, je sais que t'es là-haut! Mais il s'est barré où le con? Reviens! Voilà, merci. Quand même. Allez! Arrêtez! Mais arrête de me foncer! Oh, je sais plus jouer! Je sais plus jouer, c'est bon! Je ne sais plus jouer! C'est fini! Il n'y a plus de skill, il n'y a plus rien! Elle enchaîne beaucoup plus vite aussi, c'est ça qui est chiant. Faut que je reste au sol autant que possible. Allez, on soigne, on essaye de pas faire de bêtises. Non, c'était pas un dash. Oh, c'est... Mais... Reste pas dessus. Ce qui me gave aussi, c'est les mobs qui te foncent dessus comme ça. Qui te marchent littéralement dessus. Non, mais c'est... Allez! Non, mais... On soigne! Non.
trop short. Là. Ramène-toi un petit peu. Oui. Pour me prendre des coups. What? C'est quoi cette attaque? Arrête de te soigner n'importe comment, Ina. Ah ah! Ah ah! Tu fais moins la maline maintenant. Hop là, ça c'est pas facile. Wah! Wap, 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 wap. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? D'où cette chose tire-t-elle ses forces? Si fort! Tu y arriveras si tu en as la volonté. Mais pourrais-tu vraiment brandir ton aiguillon une fois que tu connaîtras de quelle manière tragique il a été créé? Une fois que tu te connaîtras toi-même? Alors fais-le, fantôme d'Alonest. Poursuis ton chemin. Grave la marque sur ta carapace et proclame-toi roi. Oh, 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 ça me plaît ça. Si on me propose d'être monarque, moi je vais pas dire non. Allez, continuons. C'est venteux par ici, par contre. Est-ce que quelqu'un pourrait arrêter la soufflerie? Ohé, ohé, ohé. Carapace abandonnée. Si la créature à qui appartient cette carapace est encore vivante, je veux pas la croiser. Et là, spoiler, on est dedans. Qu'est-ce que c'est? Wow. Marqué par marque du roi. Alonest reconnaîtra un nouveau souverain. Les portes du royaume s'ouvriront. Respectez votre roi! Je pense que je ferais mieux de me barrer. Ah! Aïe! Oh, merci. Mais elle est adorable! Elle est adorable, cette... Et donc, marque le porteur comme étant le roi. Les lieux anciens d'Alonest s'ouvriront sur son chemin. Ah! Ah! Je crois que je vois à quoi ça sert. Vous voyez les portes noires? Où est-ce que je suis? Wait. Où est-ce que je suis? Si, je vois où je suis. Récupérons. Bah oui, forcément. Je suis une abrutie. J'ai pas les bons charmes pour voir où je suis. Forcément que je vois pas où je suis. Rééquipons-nous comme il se doit. 1, 2, 3. Il me reste 3. On va prendre la longue lame. Et on va prendre le champ des larves. Ouais, on est bien. Et donc, je suis ici. Voilà, carapace abandonnée, blablabla. Padadam. Et maintenant, bah on va tester juste en dessous. On va tester juste en dessous, si, voir si ma théorie est correcte. Bla. Hop. Hé. Zoui. Bla. Bla.
Raté. Je crois que c'est pas un. Absolument pas. Ouah, bonjour. Parfait. Aïe. Non mais je suis roi, alors dégagez-moi ces stalactites. C'est un décret royal que toutes les stalactites du royaume dégagent. Je veux plus en voir. Ouais, bon, j'ai aucune idée de ce à quoi ça sert actuellement. C'est pas grave. On a bien progressé. On a retrouvé Ornette. On l'a vaincue. Elle nous a malaxé. Mais on a été plus fort. Quoi qu'il en soit, je vais décider d'une prochaine destination. Mais en tout cas, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.